Salut tout le monde, c'est Xa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bon plan, c'est parti. Alors je pense que vous l'avez remarqué, les vidéos bon plan, je les sors un peu habituellement quand je veux en fait et pas vraiment avec un planning très spécifique. Bah je pense probablement en faire une vraie série avec au moins une vidéo par mois, qui serait bah du coup au milieu du mois comme euh, maintenant. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant. Dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous plairait. Mais avant de commencer la vidéo comme d'hab, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et également à activer la petite cloche, ça aide énormément. Bon, on va commencer tout de suite avec les périphériques et cette fois-ci, on va commencer avec la Logitech G502 Hero. Donc ici, c'est la version filaire qui est proposée à un prix de 25 euros. Alors, je vous avoue que la souris, elle est pas totalement neuve. En fait, elle vient tout simplement de chez Amazon Warehouse, mais elle est clairement comme neuf, Pour avoir commandé plein de fois chez Amazon Warehouse, en fait ça euh, à chaque fois quand des gens renvoient les produits euh, chez Amazon parce que par exemple, ils leur plaisent pas, bah en fait, c'est des produits qui sont pas du tout utilisés, qui ont été juste ouverts et réexpédiés euh, à Amazon quoi tout simplement. Donc là, pour 25 euros avoir une G502 neuve, juste peut-être la boîte qui est endommagée, et eh ben c'est vraiment très bien. On continue tout de suite sur une deuxième souris qui est la Corsair Sabre RGB Pro Wireless. Donc ici c'est une souris euh, de chez Corsair hein, du coup, proposée à un tarif de 80 euros Habituellement elle est plus autour des 90 euros. C'est une souris plutôt minimaliste, euh, vraiment très simple avec juste une petite zone de RGB. Après au niveau performance, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est du Corsair à un prix quand même assez élevé quand même de base. Donc franchement, en termes de perf, euh, c'est une... Très bonne souris. On continue tout de suite sur la prochaine souris. Cette fois-ci, on est à nouveau chez Logitech avec la G604 Lightspeed. Donc voilà, c'est à nouveau une souris sans fil. Habituellement, elle est plutôt vendue voilà autour des 65 euros, ouais, mais parfois même elle monte à 75 euros. Bon là, elle est à 50 euros. C'est vraiment intéressant. Bon, le seul inconvénient, c'est peut-être que la souris utilise des piles. Je suis pas très fan de cette pratique parce que ça alourdit pas mal la souris. Mais euh, à part ça, c'est une très bonne souris. Et d'ailleurs, je la connaissais pas réellement, pas trop en fait, avant. Donc c'est quand même assez bizarre. Mais en fait, ouais, elle est vraiment pas mal en fait pour tout ce qui est MOBA, etc. Parce que, bah comme vous voyez, elle a énormément de boutons sur les côtés quoi. On continue cette fois-ci sur un clavier. Azertier également, mécanique en plus, pour euros. Alors ouais, pour 21€, faut clairement pas s'attendre à de la performance de malade. C'est clairement le plus bas de gamme de ce qu'on peut trouver au niveau des claviers mécaniques. Mais du coup, c'est le RI RK908. Euh, voilà, c'est une marque de laquelle j'avais déjà entendu parler euh, il y a quelques années, au niveau justement des claviers bas budget elle avait l'air plutôt pas mal, mais bon, je vous avoue que, bon, pour un prix pareil, faut pas s'attendre non plus à avoir une qualité extraordinaire, on a quand même une case totalement en plastique, des touches en ABS, euh, même euh, le profil est assez spécial, parce qu'à la base c'est du OM, mais sur le dessous, c'est un peu courbé vers, euh, bah, tout simplement le bas, euh, chose qu'on peut trouver souvent sur des claviers à membrane, à la base je croyais vraiment que c'était un clavier à membrane, vu les keycaps, mais non, bah en fait c'est un profil à part entière, visiblement, et euh, bah ouais, on a des touche courbée à l'avant, c'est assez spécial. Il a également des switches bleus, par bon, de, la, de quelle marque, je sais pas. Je dirais probablement, comme d'habitude, sur des claviers bas prix euh, du haut ému, parce que bah, c'est les switches littéralement les moins chers du marché. Euh, donc ouais, je dirais que c'est des haut ému bleus. Euh, ouais, faut pas s'attendre non plus à une sensation de malade. Hein. C'est pas comparable à des Gateron par exemple. Mais pff, voilà, bon, si jamais vous êtes pas un vrai puriste, on va dire, bah, franchement, vous vous aurez pas de problème avec ça. On continue sans plus tarder sur les écrans. Là, on est sur un Huawei de 24 pouces Full HD IPS. Voilà, c'est un combo très intéressant pour 120 euros. Également, il a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Donc, oui, c'est plus pour de la bureautique et peut-être de la retouche d'image vu la dalle IPS. Euh, mais pour jouer occasionnellement, ça peut être toujours très bien. Surtout que là, on est sur un très bas budget de 120 euros. Donc, voilà, cet écran est vraiment très intéressant pour ce prix. On continue cette fois sur un écran de chez Samsung de 27 pouces, cette fois-ci 1440p et 144Hz. Là, par contre, on est sur une dalle VA, donc on aura des couleurs un peu moins belles, mais une meilleure réactivité. Pour euros, c'est quand même un prix plutôt intéressant. Après, si c'est un écran 21 e que vous voudrez, bah, j'en ai trouvé un hein, ici. C'est un écran du coup de chez Asus de 30 pouces, 1080p cette fois, avec par contre euh, une fréquence de rafraîchissement de 200Hz, ce qui est voilà, énorme, hein, tout simplement. Pour jouer, ça suffit totalement. Par contre, on est également sur une dalle VA à nouveau. On va passer à la partie, je pense, la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on va parler des composants et notamment, surtout maintenant, des cartes graphiques. On va commencer avec une Radeon RX 6500 XT au prix de 200 euros. Eh oui, 200 euros! pour vous dire c'est tout simplement le prix de base euh, des 6500 XT hein, tout simplement donc là on est revenu à un prix totalement normal comme s'il n'y avait pas de crise donc clairement si jamais vous cherchez une carte graphique pour faire un petit PC pour du 1080p avec une qualité moyenne à élevée c'est très bien du côté de sa grande sœur la 6600 elle a également un prix très correct elle se rapproche plutôt pas mal de son prix MSRP cette fois-ci elle est à 369 euros donc oui clairement c'est vraiment très bien donc si vous voulez avoir une carte graphique assez équipée, à une 3060, bah c'est clairement là-dessus que vous pourrez aller. Également la 6700 XT qui a aussi un très bon prix de 600 euros. Voilà, franchement du côté d'AMD les prix sont actuellement en train de baisser à fond. Donc clairement si jamais vous comptiez vous faire une config, bah je pense que ça peut commencer à être le moment. Également, si ça vous intéresse, pour 50 euros de plus, vous avez la 6750 XT. Alors, les niveaux de performance entre les deux sont pas vraiment énormes, même pas très notables. Mais euh, là, notamment, vous allez avoir aussi un meilleur refroidissement puisque, bah, du coup, vous avez déjà trois ventilos, mais également un énorme bloc euh, de refroidissement. Donc, clairement, c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez overclocker. On va finir du côté des graphiques avec une RX 6400 pour un prix de 160 euros. Alors bon, je vais pas vous mentir que euh, voilà euh, la 6400 c'est loin d'être la meilleure carte Déjà les 6500 ça commence à être limite, mais bon la 6400 c'est assez équivalent à une 1650 donc en termes de performance c'est pas trop ça. Mais clairement si jamais euh, vous avez vraiment besoin de vous faire une config euh, dans l'immédiat tout simplement avec un très petit budget, bah ça peut être un choix. Après bon Bon, en termes de refroidissement ça va probablement pas être une révélation hein, mais euh, c'est pas trop ça on a un tout petit ventilateur et un minuscule radiateur mais bon après heureusement cette graphique ne chauffe pas beaucoup alors on continue maintenant sur les processeurs et on commence avec un Ryzen 9 5900X. Donc s'il est proposé à un prix de 404 euros, donc clairement pour ce prix c'est vraiment intéressant parce que ces derniers temps le prix des Ryzen fait que baisser donc voilà ça commence à être vraiment intéressant. Et encore quelques mois on le trouvait plutôt autour des 440 euros, 450 c'est plutôt pas mal. Après si jamais vous voudrez plutôt un APU vous avez un Ryzen 5 5600G pour un prix de 180€. euros. Habituellement il est plutôt autour de 200 euros donc ça vous fait 20 euros d'économie ce qui est toujours intéressant. Après si jamais vous avez besoin d'un plus petit budget encore, vous avez toujours un Ryzen 5 5500. Cette fois-ci, c'est pas un APU, c'est juste le processeur. Mais du coup, il est proposé à un prix de 150 euros, ce qui est vraiment très bien. Côté carte mère, je vous ai trouvé une Gigabyte B450, euh, un prix de 150 euros. Donc, oui, c'est vraiment très bien pour une carte mère encore B450. 50 euros, c'est limite donnée à vrai dire. Après, bon, ça reste une carte mère d'entrée de gamme, hein, donc vous allez clairement pas mettre des gros processeurs dessus, ni essayer d'overclocker. Clairement, c'est juste pour des petites configs bas budget. Du côté de la RAM, il y a les Corsair Vengeance RGB Pro euh, de 2 x 16 Go à 134 134€, ce qui est un nouveau, un très bon prix pour 32 Go de RAM. Et il est également cadencé à 3200 MHz. Et bien évidemment, c'est de la DDR4, pas de la DDR5. Après, si jamais vous voulez avoir juste 16 Go de RAM, vous avez deux de Corsair Vengeance. Cette fois-ci, c'est la version un peu plus récente des Vengeance. Que je trouve d'ailleurs bien plus belle. Donc là, vous avez 2 x 8 Go à une cadence de 3600 MHz. Également, côté refroidissement, si jamais vous cherchez pour un Octua A12X25 que j'utilise d'ailleurs pour mon water cooling, il est vraiment très bien et surtout très silencieux, bah là, vous l'avez pour 22€. Sachant que de base, le ventilateur coûte 30€ pièce, euh, ça fait vraiment mal. Bah là, pour 22€, c'est vraiment une bonne affaire. On va finir maintenant du côté stockage. Donc déjà, je vous ai trouvé un petit SSD NVME de chez PNY de 250Go pour un prix de seulement 30€. Donc ouais, pour ce prix-là, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'on a du PCI en Gen 3 donc niveau vitesse ça risque d'être quand même plutôt intéressant après si jamais vous cherchez un SSD de 1 tera en SATA vous avez également un crucial bake 500 et donc voilà on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu si c'est le cas et eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pensez également à rejoindre mon serveur discord qui se trouve en description également Twitter qui est toujours juste en dessous sur ce et eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo à le chat, tout chat monde c'était XR